Là, maintenant, vous allez voir comment réaliser des babas. Et vous allez voir, vous allez tomber baba amoureux de cette recette parce qu'elle est trop trop simple. Alors, pour réaliser la pâte, il faut un lait à température ambiante qu'on a sorti, qui n'est pas trop glacé. On va mettre de la levure de boulanger. On va mélanger. On va mettre la farine dessus. Deux œufs, tu vas voir, c'est une pâte trop simple à faire. C'est trop goûteuse. On va mettre 20 g de jus d'orange. Voilà. Des zestes de citron parce qu'on aime, c'est une cuisine parfumée. On pourrait mettre un peu de bergamote si on est à Nancy. Hein. Oui. On va mettre une jolie pincée de sel. Et tu vas rajouter le sucre. Donc pas sur les yeux. On va commencer à mélanger doucement. Le fait de mélanger au fouet, ça permet de donner du corps à la pâte. On va avoir une pâte élastique, mais c'est une pâte qui va pousser. Et on va rajouter le beurre pommade pour avoir une pâte bien moelleuse. Donc le beurre toujours en fin. Toujours en fin. Et en fait, la pâte est terminée. Regarde, elle est bien élastique. Bien travaillée. Impeccable. Il nous reste à garnir nos moules à baba. On va les garnir à la moitié, pas plus. Parce que ça va pousser et quand ça sera à 5 mm à peu près en dessous du moule, on les cuira à ce moment-là. Nos babas ont poussé, ils sont à hauteur, on ne tarde pas. On va les mettre au four, on va les cuire à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes. On vérifiera la cuisson parce qu'il faut que ce soit bien sec pour qu'après ils absorbent bien le sirop. Maintenant, nos babas au rhum sont prêts. On a le sirop d'imbibage qui est prêt au rhum et on va tremper nos babas dedans, tout simplement. Je vais te demander de les arroser. Et là, c'est gourmand. C'est gourmand. Ça sent extrêmement bon. Alors, rien ne t'empêchera au moment de servir les babas de rajouter un petit bout de rhum cru pour les gens qui sont vraiment amateurs de rhum. Alors, ils sont super bien imbibés. Oui. Voilà. Ici, on va les glacer avec un tout petit peu de gelée de fruits. Oui. Ça pour les faire bien, bien brillants. Abricot ou coin. Abricot, coin ou de la rose, hein, selon ce que tu aimes. Ce qu'on aime.